Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro un peu spécial de l'histoire avec une grande hache. Aujourd'hui donc c'est un peu spécial, pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait d'une présentation, d'une collaboration entre trois chaînes. Entre celle de Choui qui s'appelle Dynamite, celle d'Aurélien qui s'appelle L'Arche et ma présente chaîne. À nous trois, nous vous avons concocté une série de trois vidéos qui va parler de la guerre de Troie. Et oui, ça fait beaucoup de fois trois dans cette phrase. Chacune de ces vidéos se retrouvera sur une de nos trois chaînes. Du coup, le premier épisode est actuellement disponible chez Dynamite. Il s'agit en fait d'un résumé de la guerre de Troie et principalement de l'Iliade. L'Iliade qui est, on va dire, l'une des pièces maîtresses de la culture antique et même de la culture actuelle. Enfin du moins, de la culture actuelle en Occident. Mais avant d'en dire plus, laissez-moi vous présenter mes deux compères. La chaîne Dynamite de Choui étudie les mythologies comparées. Alors, qu'est-ce que c'est que les mythologies comparées? Eh bien, ce sont des mythologies que l'on compare à d'autres mythologies. Voilà. Merci. À bientôt. Blague à part, il s'agit d'une discipline qui vise à comparer différents mythes issus de peuples divers afin de savoir s'il existe des points communs entre tous ces mythes et, pourquoi pas, une origine commune. Mais la vidéo qui défile juste à côté de moi vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Quoi qu'il en soit, la guerre de Troie est une guerre littéralement mythique. Et donc il nous fallait bien un spécialiste des mythes pour en parler. La chaîne L'Arche d'Aurélien est consacrée principalement à la poésie. Mais pas que, puisque Aurélien a également fait une série de vidéos sur l'écriture sumérienne. Alors pour ceux qui ne savent pas qui sont les Sumériens, il s'agit ni plus ni moins de l'une des premières civilisations humaines qui a laissé son empreinte durablement dans l'histoire. Et c'est une civilisation qui se trouve, dont les vestiges se trouvent actuellement, dans un pays qui respire bon le bonheur et la paix, l'Irak. Enfin bref, l'Iliade, qui décrit une partie de la guerre de Troie, est un énorme texte composé en vers, donc un énorme poème. Et qui de mieux qu'un spécialiste de la poésie pour en parler? Et moi de mon côté, comme c'est plutôt l'histoire mon truc, on va essayer de voir si la guerre de Troie a réellement eu lieu, d'un point de vue historique et archéologique. Donc, vous comprenez le principe. Trois vidéos, trois chaînes sur la guerre de Troie. Alors si vous voulez retrouver le premier épisode de la guerre de Troie, il vous suffit de cliquer sur la vignette en question qui doit être par ici. Sinon, vous allez directement voir sur la chaîne de Dynamite, la chaîne de mon compère Choui, parce que c'est lui qui héberge le premier épisode, et la chaîne devrait être par ici. Si vous avez un smartphone, pas de panique, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo en dessous. Tout est indiqué comme il faut. Quant aux autres épisodes, ils sont en cours de création et mes compères et moi-même ne manquerons pas de vous avertir lorsqu'ils sortiront. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez tout ça. Allez, ciao !